Coucou les chéris, alors ce soir on arrive dans un endroit où il y a plein d'appartements et je connais quelqu'un qui habite là, on va vérifier si effectivement lui aussi respecte le couvre-feu. Voilà, il me semble que c'est la porte du fond. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien, c'est Tata Rosie? Oui, ça va. Oui, je te dérange? Non, pas du tout. Alors en fait, je viens vérifier si les gens respectent bien le couvre-feu. Ah bah oui, très bien. Tu es normalement tout seul dans ta maison? Oui, je suis tout seul, oui. Je peux rentrer? Bien sûr. Merci. Genre, il y a une interview, quoi. T'as mis enregistré? Oui, c'est bon, c'est parti. Alors, Sébastien, c'est gentil de nous accueillir chez toi. Tu as un très bel appartement. Merci. Donc, tu me connaissais avant que j'arrive. Évidemment. Bien sûr. Alors, je vais vérifier si tu me connais bien. Et si je vais vérifier ton assiduité aux différents épisodes de Tata Rosie. Ouais, d'accord. Je vais te poser des questions. Il y a un petit concours. Je vais aller chez plusieurs personnes. Ouais. Et la personne qui aura le plus de points gagnera un gros cadeau. Ok. Alors, je vais te laisser choisir entre deux questionnaires. Là. Celui-ci. Alors. C'est parti. Première question. De quelle couleur est le masque que je me mets sur la peau dans un épisode de Tata Rosie? Rose. Un masque de visage, un masque... Pas le masque Covid, le masque de... Voilà. Le masque pour améliorer la beauté. Je ne sais pas comment on dit. On appelle ça un masque... Un masque de beauté. Oui. Blanc. Non, il est vert. Zéro point. Froid, c'est froid. Oh, ça me va comme un gant. Ensuite, deuxième question. Pendant un épisode, j'ai fait un tour de magie où je demandais aux gens de faire différents calculs. Uh-huh. Et à un moment donné, le résultat est apparu quelque part sur moi. Où ça? Ah ouais, je sais plus. Sur mon cœur. Je tape mon cœur, la veste de Tata Rosie s'en va et le 5 apparaît sur mon cœur. C'est vrai. Ah ben c'est facile de dire c'est vrai quand on a la réponse. Le résultat vient forcément du cœur. Troisième question. Quelle chanteuse célèbre est ma maman? Cher. Oui, bravo. C'est pas très compliqué. Non. Il y a maman qui passe à la télé. Ensuite, quatrième question. J'ai fait un jeu, un blind test, où je dois faire deviner à mes amis en visio des titres de films. Voilà, c'est ça. Clotaire, pendant tout cet épisode, tient quelque chose dans la main et ne le lâche pas d'une seconde. Qu'est-ce que c'est? Un verre de vin. Oui, bravo. C'est d'ailleurs qu'il descend pas du tout. Mais non, c'est étonnant. Il le tient et le boit même pas. Non, c'est un petit bisou à Clotaire pendant que j'y pense. C'est bien la famille. Ah, la famille Bélier. Ensuite, dernière question. Donc pour l'instant, nous sommes à 2 sur 4. Ouais. Dernière question. Quelle est... attends, parce que j'arrive pas à lire. De quoi est recouverte la robe de mariée de ma nièce? Attention, il y a un piège. J'ai bien dit de ma nièce. De ta nièce? Alors attends. Ta nièce. Parlez pas dans vos mains. Pardon. Ta nièce, c'est qui déjà? Je vous donne un indice. Ma nièce, c'est la personne un petit peu colorée. Ah, la noire. Oui. Ah, bah la noire, elle est... Alors, c'est son surnom. Hein. Les ligues antiracistes, c'est pas la peine de m'envoyer des messages. Oui, voilà. En plus, elle est même pas noire-noire. Non, noire-noire, c'est pire, vous vous en... De plumes. De plumes, oui,
sur les plumes. Rose. Bravo. Oui. Tourne, Manu, elle se tourne. Donc, sur 5 questions, vous avez 3 bonnes réponses. Très bien. Pour l'instant, de ce que j'ai vu, vous êtes le dernier. Mais vous allez peut-être... vous allez peut-être vous rattraper. Je vais vous demander, en quelques secondes, de réfléchir à une chanson que vous allez me mimer. Le titre d'une chanson, la chanson, peu importe, vous devez me faire trouver, enfin tu, je ne sais pas pourquoi je te dis vous, tu dois me faire trouver le titre d'une chanson le plus rapidement possible. Je te laisse réfléchir. Pendant ce temps-là, je vais aux toilettes. Tu vas couper, hein? Non, 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 je ne coupe pas. Ah, d'accord, ok. Oh, c'est joli chez vous. T'es bon, j'ai trouvé. Regardez les enfants ce que j'ai trouvé dans ces toilettes. C'est bientôt Halloween, mais faut pas déconner, ça vient d'où ça? C'est ma tête à coiffer de quand j'étais en coiffure. Une tête à coiffer? Mais oui. Ah, vous avez été coiffeuse dans votre jeune temps? Il y a longtemps. Mon Dieu. Ah oui, ah mais elle mange ses cheveux. Bref, là n'est pas la question. Alors, vous êtes prêts pour me faire le mime? Oui. Donc, attention, 3, 2, 1, top! La danse des canards! Oui, bravo! Voilà. Alors, le hasard fait bien les choses. Vous verrez plus tard. Ah d'accord. À bientôt. Merci beaucoup d'être... J'ai oublié quelque chose. Ah. Pour te remercier d'avoir participé à ce petit jeu, de m'avoir ouvert la porte, je vais t'offrir quelques cadeaux. Oh. Alors, le premier cadeau, le masque officiel avec le logo de Tata Rosie. Super. Voilà. Oui, je l'ai déjà vu, je l'ai déjà montré. Le deuxième cadeau, le briquet Tata Rosie. Comme ça, on ne pourra pas te le piquer en soirée, il n'y a que toi qui l'auras. Est-ce qu'il est vrai? Oui, il est bien. Bien sûr qu'il fonctionne. Ensuite, la petite Tata Rosie miniature pour lire des livres ou mettre son smartphone. Oh, excellent. Voilà. Oh, trop bien. C'est bien, hein? Oui, c'est bien. Et l'agenda officiel 2021, l'agenda rose de Rosie. Oh, il est beau. Mais bien sûr, à paillettes qui brillent et tout. C'est un vrai, bien sûr. Hein. Oh là là, bah merci. Merci. Et enfin, ma carte de visite, si vous voulez m'inviter pour des mariages, des choses comme ça, je peux faire l'animation. Excellent. Bah, voilà. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. Bisous, les amis. Bisous.